Salut! Alors aujourd'hui dans cette vidéo consacrée à Air Factor 2, je vais faire ma première course avec le multijoueur compétitif mis en place il y a environ 15 jours donc. Dans la précédente vidéo, je vous ai présenté à quoi ça ressemble et cette fois, je vais me lancer dans ma première course qui va démarrer là dans quelques minutes. Donc j'ai décidé de faire ça avec la Nola, la Tatus PM18 sur le circuit de Nola Motorsport Park. Il y a beaucoup d'engagés, on est plus de 70 je crois, mais c'est réparti sur plusieurs serveurs, vous allez voir ça. Donc on y va direct, on commence par les qualifs et ensuite une course de 16 minutes donc. Voilà, les qualifs vont commencer dans 7 secondes, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Donc on est 19 sur ce serveur, mais on était plus de 70, donc c'est réparti sur plusieurs serveurs. Évidemment, hein, on ne va pas être 100 sur le même serveur, sinon ce serait la foire d'empoigne. Là déjà à 19, je ne suis pas sûr du résultat. Est-ce qu'il y a des Français? Olivier Barrette, ah peut-être. Bon, moi évidemment. Brognard Christophe, ah ouais. Florent Poissonnier, ah c'est peut-être des Français ou des Belges, hein. Enfin des francophones on va dire. Hein. Bon, mais voilà. Hein. On va attendre que le practice se termine. Je vais voir le meilleur temps. Moi j'ai fait une 0-2. J'ai fait une 0-2 400 et quelques. Ah ouais, ouais, ça va. Allez, qualif. C'est parti. Tout seul. Alors j'ai 7 minutes de qualif. Alors ce qui est bien aussi, vous voyez, c'est que parfois pour sortir de certains des stands de certains circuits dans Air Factor 2, c'est compliqué. Tu cherches, tu tournes à droite, à gauche, c'est pas ça. Là il y a les flèches. C'est plutôt sympa. Allez, on va se lancer pour ces 7 minutes de qualif. Allez, on enlève le limiteur, premier tour tranquille. On va chauffer les pneus. Ah, je freine pas trop tard. Parce que les pneus froids dans... Je sais, je me répète, mais... Les pneus froids dans Air Factor 2, c'est une horreur. Comme en vrai, hein. Et les slicks froids, c'est des savonnettes, hein. Par contre, une fois chaud, c'est des ventouses. En espérant que ça soit pas trop la foire d'empoigne. Hein. Et que je fasse pas de faute non plus, hein, parce que je suis pas parfait, loin de là, moi. Au fond aussi, je peux faire une faute. Hein. Cette Tatus est très vive, hein, du train arrière. Donc il faut un peu se méfier. Allez, ça part de là. Bon, je vous ai montré dans la précédente vidéo, il n'y a quasiment aucun réglage de possible. Ouais, je vais rester concentré sur mes qualifs. Oui, c'est bon. Et je vous l'ai dit, elle est vive du train arrière, que ce soit l'accélération ou le lever du pied. De 8, allez, c'est pas mal. Ça fait déjà quelque chose de demi. Ça fait déjà un tour de demi de côté. Alors, j'accélère un peu tôt. Elle est vive du train arrière, hein. Du coup j'ai perdu beaucoup de temps là. Ouais, voilà, celui-là je savais qu'il était mort, le tour. Et en plus je fais le con.
comme je suis troisième pour l'instant. Ouais, accélérer dans l'herbe, ça le fait pas. Et ça fait refroidir les pneus en plus. Allez, on part pour un autre tour. Oh, je glisse un peu, mais ça va. Là, je me suis fait une glissade tout à l'heure, voilà encore. Et ça va, je perds pas trop de temps. Allez, je suis en avance. Encore un tour, je peux le faire. That was a 1-0-2.64. Moins glissé là, voilà. Arrière, hein. C'est quasiment à fond là. Là aussi glissade, là aussi. Ah. Ah non, j'ai perdu le temps là. Allez, une 30, il me reste de quoi faire un tour, allez. Je vois pas combien je suis. Sixième. That was a 1-0-2.98. Ah, track limits. C'est mort. Allez, stand. De toute façon, il reste quoi? Une minute. Huitième. Bon. Ah ouais, une 0-0. Le type va vite, ouais. Huitième sur 20, on est med. On est 20. Bon. En espérant que ça soit pas trop la boucherie au départ, hein. Huitième. Il reste quoi? 36 secondes, hein. Il y en a qui peuvent me passer devant, hein. Ah, Damonball, là, une 2-902. Eh, il peut me passer devant. Une 2-641. Eh, ouais, hein. Si j'avais fait une 2-4, j'aurais gagné 2 places. Hein. Je serais parti 6ème. On va attendre que tout le monde finisse, parce que 8ème, c'est provisoire, hein, évidemment. Et voir. Ah, le gars, il roule, là. Lui aussi. Lui aussi. Ils peuvent me faire marron, hein. Bon, après, si je pars dixième, je m'en fous. Fais voir, Damonball. Non, il a pas fait mieux. Alors, Bill Muir. Lui non plus, il a pas fait mieux. Et lui, hein, si c'est gagné 5-6 dixièmes... Non, elle a pas fait mieux non plus, allez. Donc je pense que je devrais partir de 8ème, allez. 8ème sur 20, ouais, au milieu, plus ou moins, c'est ça, hein. Je l'ai toujours dit, hein. Pilote moyen, hein. Donc, classement au milieu, moyen, hein. Alors, Olivier Barrette, il y a une 324, une 3-2, non, lui, dans les stands. Et lui, non. Il ne m'est pas passé devant. Et lui, il peut me passer devant encore.
Voilà, allez, je resterai 8e. Après, ils sont trop loin, les autres, je pense. Il y en a un qui n'a pas fait les qualifs. C'est peut-être une bonne idée, hein. Attention, hein, vous savez. Les qualifs, hein, c'est... Et le mec continue à tourner. C'est le chrono, ça fait un moment qu'il a 0-0. Ah, voilà, quand même. Ok, allez, drive. Et on y va. Ah, c'est vrai que c'est le... C'est le circuit où il n'y a pas de feu. C'est embêtant, ça. C'est embêtant. Et on attend que tout le monde arrive sur la grille. Allez, ça arrive doucement, doucement. Il faut regarder le mec avec le drapeau, en fait. On va essayer de ne pas voler le départ. Ça serait bête. Il manque une voiture devant moi. Il y en a qui klaxonnent. Sérieusement. Comme ils sont cons. Oh, basta. N'importe quoi. Bon, allez. Les mecs, ils font pas du setup, y a pas de setup à faire là, et y en a pas de setup. C'est dingue ça, les mecs qui dorment alors que t'as juste à cliquer sur drive. Oh là là, je crois que c'est 90 secondes le temps que tu as pour rejoindre la course. Ah, Boros s'endort. J'ai pas configuré le klaxon. Ça commence à s'énerver. Ça accélère et tout. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? On sort la nappe, on pique-nique là? Putain, c'est dingue ça, les mecs. Mais qu'est-ce que vous foutez? Ah. Ah, ça va bon de départ, plus ou moins. Enfin, pas si bon que ça, puisque je me fais déboîter. Ah, je mets la 3 parce que je suis à l'intérieur. Ça va, personne m'a touché. J'essaie de toucher personne non plus. Ça va, allez. Ah, le premier tour est délicat avec cette froid. Ouais, ça glisse un peu. Ouais, les pneus froids, c'est pas terrible. Hein. Ah, je freine pas trop tard. J'ai peur de pousser quelqu'un. Oh, il y en a déjà un qui s'est loupé. Ouais, ouais, je sais, mais. Et je suis désolé, mais j'évite le mec qui est en perdition devant moi. Hein. Je peux pas faire beaucoup mieux là. Hein. Et derrière, ça a été la guerre, puisque j'ai plus personne. Je vois personne dans mon rétro. Ben, je suis toujours 8e. Parti 8e, et toujours 8e à la fin du premier tour. Allez, on va essayer de remonter. Oh, un peu large. Allez, les mecs qui se poussent. Et moi, je les regarde. Au lieu de regarder ma trajectoire, je vais à la faute. Ah, quel débile! Ben, toujours 8e. Je les regarde comme un con. Au lieu de regarder le point de corde. Du coup, j'aurais pu me gagner de place. Ben, j'ai rien gagné du tout. J'en ai perdu, mais. Rage 3. Rage 33 FR. Peut-être un français. Allez, c'est ma cible. Bon, le premier tour, pas terrible, hein. Ah oui, une 0-8, non, c'est carrément ridicule.
C'est moisi. Il a pris large. Il va pas vite. Voilà. C'est laissé faire, c'est bien. C'est gentil. Là, devant, ils sont un peu loin. Ouais, ils sont un peu loin. Là, il a 4 secondes devant. Il reste 12 minutes de course, hein. 0,35, ouais. Et après, j'ai eu le dépassement. Donc. Qui m'a fait perdre du temps. Une de 7, voilà, c'est déjà plus conforme au temps que je fais d'habitude. Un peu large, je glisse, mais ça va. Allez, je le rattrape, allez. Sans mes conneries, je serais sixième. Hein. J'ai regardé les deux mecs qui s'accrochaient devant moi. Je suis allé à la faute quand même. Quoi. Ah, il se rapproche. Doucement, mais il se rapproche. Hey, je fais des conneries là. Hey, je perds du temps là. Ouais, il se rapproche doucement. Qu'est-ce qu'il reste 10 minutes. Ah, je devrais arriver à le raccrocher. Si je fais pas de conneries, évidemment. Oui, large à chaque fois là. Ça va, je perds pas de temps. Là aussi. Il se rapproche petit à petit. Il n'est plus qu'à 2 secondes. That was a 1-0-2.84. Ouais, il se rapproche. Elle va rendre dans sa chaîne, dans cette enchaînement. Un peu large là.
3 dixièmes de mieux sur mon meilleur tour. La ligne de 4, c'est vrai, c'est les temps dans lesquels je devrais tout faire. Et je me crains le vibreur. Je ferme plus tard que là, que lui là. Et il rattrape la voiture devant. Là aussi, j'évite le la glissade, mais j'ai pris large quand même. Allez, allez, je le raccroche, c'est bon. Allez, il va m'aspirer. Pas vite là. Allez, c'est là que je vais, à la sortie. Ça va, ils sont corrects les mecs, hein. M'a laissé passer et tout, hein. Ah ouais, c'est correct, hein. Type est très sympa, hein. Je connais plein qui auraient fermé la porte et qui me seraient revenus dessus. Et j'ose pas freiner plus tard de pouvoir me pousser. Il a pris large. Sympa. Il est passé un peu plus vite. Je le croise, ça marche pas. Il a pris large. Très bien, allez, cinquième. Allez, pour le quatrième, ça va être un peu plus difficile. Qu'est-ce qui reste? 4,48. Et il est un peu loin. Fou, la glisse. C'était correct le type avec qui je me suis bagarré, hein. Très correct, hein. C'est bien ça. Il faut le souligner. Je fais de l'huile là, comme on dit. Allez, quatrième, hein. Il reste 4 minutes. Merci la faute, hein. Merci d'avoir fauté, mon gars. C'est marrant comme ça glisse cet engin. Podium? Non. Ah, 3 minutes 46. C'est un peu loin. Ils sont un peu loin pour rêver du podium.
Hop, la glisse, là aussi, je me loupe le point de corde. Parce que j'engage la voiture trop tard dans le virage. À combien il est? Ouais. Ah ouais, c'est un mec qui a un tour devant. Sinon, il n'est pas à 4 secondes 49 devant. Christophe. S'il a un tour, il devrait. Ouais, il est 12e. Il devrait avoir les drapeaux bleus. Hein. Travers, mais je passe à côté. Non, il soit 4 secondes, il reste 2 minutes, il reste 2 tours. C'est pas la peine. À moins qu'il fasse une faute. Il me serre les fesses. À chaque fois, je l'engage trop tard dans le virage. Et peut-être qu'on va faire un tour de plus. Peut-être qu'il y a plus d'un tour. Les mecs ont dû passer une, deux, une, trois. Les mecs ont dû passer avant. Et puis il est possible qu'on fasse encore un tour après celui-là. Oui. Attention. Non, je vais assurer. Je vais assurer les derniers tours. Ouais, je pense qu'il devrait rester un tour après celui-là. Et là, je commence à sentir un peu l'usure des pneus. Ouais, dans cet enchaînement. Comme je suis à 4% d'usure, mais je le sens. Voilà, il faut l'engager là, maintenant. Voilà, c'est mieux. Ouais, je pense qu'on devrait faire un tour de plus. Non, c'est fini. Ouais, pas toi, dernier. Moi, j'ai pas vu un off race. Hein. Je continue. J'ai pas vu le petit drapeau à damier sur mon dash. J'ai vu que le gars l'agitait, mais bon, les animations, c'est pas ce que me dit mon dash, donc. Je préfère faire un dernier tour. On sait jamais. J'ai pas levé le pied, j'ai pas à me faire une mancelle. Ouais. Je confonds les virages. J'espère que c'est fini, et du coup, je me suis déconcentré. Eh non, c'est pas fini. C'est bien ce que j'ai dit, c'est pas fini. Voilà. C'était pas fini. Voilà. Je confonds les virages, je pars, je me déconcentre. Voilà, c'était pas fini. L'autre mongolien qui ajoute son drapeau. Eh, j'aurais pu finir 4, je finis 6. Bon, c'est pas grave. C'était la course précise. Voilà, là c'est fini. Quel couillon. Bon, c'est pas grave, hein, c'était pour la démonstration. Finir 4e ou 6e, ça change pas ma vie. Je vous le dis franchement. Mais c'était bien. Je suis tombé sur des gars respectueux. Là,
le français, là, Brognard, Christophe Brognard, Olivier Brognard, je ne sais plus, qui m'a laissé passer parce qu'il avait un drapeau bleu. Le gars avec qui je me suis tiré la bourre, très bien aussi. Donc, ouais, ça va dans le bon sens, hein. Et j'aurais dû finir 4, hein. Quel couillon. Alors, je confonds les virages. Et ouais, je parle, je me déconcentre. Brognard Christophe, ouais, c'est lui. Non, c'était bien. C'était bien. Allez, on va sortir. Et on va regarder les statistiques. Voilà. Donc maintenant, j'ai ouais, résultat, sixième, voilà. Voilà, bronze, voilà, clean, reste 16 clean laps, voilà, 16 clean laps, qualif 6 clean laps, expected you to qualify 1, actual 8, ouais, très bien, très bien. Voilà, le ranking, driver ranking, safety ranking, donc on va aller voir, voilà, donc j'ai fait une course, donc mon DR et mon SR sont en hausse. Donc, top 5-0, ouais, j'aurais pu avoir un, hein, c'est dommage. Là, ça a augmenté, donc c'est très bien. Voilà. Non, c'était très bien, et c'est de bon augure pour la suite. Moi, je me suis régalé, même si je fais le con, à la fin, je me déconcentre, je fais n'importe quoi. Je vois l'autre con qui ajoute le drapeau à l'ami, mais je me dis, et puis après, je parle, et je me déconcentre, et je crois que c'est le dernier tour. Je crois que c'est fini. Bon, bref, c'est pas grave. Hein. C'était juste pour essayer. Mais ça va dans le bon sens. Et puis, il y a du monde. Hein, puisque là, on était 60, plus de 70 participants. Dans notre serveur à nous, on n'était que 20. Mais bon, voilà. Et puis, c'était propre. Alors, c'est pas dit que ça sera à chaque fois comme ça. Mais là, moi, je suis tombé sur une course assez propre. Donc, ouais, très satisfait. Voilà, si vous aimez cette vidéo, partagez-la, commentez-la. Et si vous voulez me soutenir, vous avez du matériel fantastique à commander, utilisez le lien dans la description de la vidéo. Et profitez-en aussi pour visiter mes autres partenaires. Ciao !